sur Braise Music. On va travailler maintenant le Balleux de l'Oudéac. Après avoir travaillé le rond, nous allons donc travailler la deuxième partie de la suite qui se compose tout le temps d'un rond, du bal, qu'on appelle le balleux, à nouveau du rond, et elle se termine par la riquenier. Je vous renvoie à l'enregistrement d'Alain Pennec pour la riquenier. Au rond que vous trouverez donc dans les vidéos précédentes et suivantes. Donc c'est parti pour le balleux de l'Oudéac qui s'appelle Sur la route de Nantes. La route de Nantes, y a Cordy Brun de Houx. Le rossignol y chante, la nuit comme le jour. Marions-nous ensemble, ensemble marions-nous. Première phrase du balleux. Donc on part sur un La sur le bouton 7 tiré. On va croiser à cet endroit-là. Donc. La même. Cette première phrase est dite deux fois. Et donc, après la première phrase, nous avons donc la deuxième phrase. Donc voici la deuxième phrase. On part en tirant, donc toujours sur le La, bouton 7 tiré. Donc tout ça c'est tiré, donc il faut bien évidemment croiser. La même cellule. La suivante. Deuxième cellule de la deuxième phrase à nouveau. Une dernière fois, donc première partie tirée, deuxième partie, simplement les six sont poussés. Donc les deux cellules, deux premières cellules de la deuxième phrase. La suite. C'est ce qu'on vient de voir au début de la deuxième phrase. Et pour conclure, ça s'est poussé. Donc on croise. L'intégralité de la deuxième phrase.
depuis le début. Sur un tempo un peu plus normal. Donc deux choses, toujours pareil, n'hésitez pas à varier votre thème, notamment ce qui peut être assez pratique, ce que je viens de faire là, c'est d'aller en retravaillant, ou du moins en allant retravailler la petite gamme de La mineur dont on a précédemment parlé, d'aller justement... Vous savez ? Justement, de vous amuser à essayer de trouver des petites combinaisons qui fassent que ça vous permette d'ornementer votre morceau. Et donc, deuxième chose que je voulais vous dire, ce qui est assez important à mon sens sur le Bleu de l'Oudéac, c'est d'essayer de le jouer de manière un petit peu élastique, c'est-à-dire un petit peu swing, plutôt que quelque chose de très très binaire, de très carré, et qui manquerait un petit peu de souplesse pour le coup, quoi. À savoir, par exemple, plutôt que de faire... donne quelque chose d'un peu mécanique, pensez plutôt comme une balade, quoi, quelque chose d'un petit peu souple et guilleré plutôt que quelque chose d'un peu figé. Voilà, et bien à très bientôt pour la deuxième partie du baleu, c'est-à-dire le placement de la main gauche. À très vite.